have some planes that stay quiet and you'll be okay. We're returning to the airport. Don't try to make any stupid moves. Février 1993, l'Amérique est victime du premier attentat terroriste commis sur son sol. Les poseurs de bombes ont frappé ce qui est pour eux le symbole de la puissance financière et politique des États-Unis, les tours du World Trade Center. Les tours ont résisté, mais le compte à rebours est lancé. Nous sommes sur la route qui va nous mener jusqu'aux attentats du 11 septembre. Elle a commencé en 1979 et passé par Téhéran, Kaboul, La Mecque, Le Caire, Moscou et Washington. Elle a vu l'ascension des djihadistes, recrutés, entraînés et armés par les États-Unis pour se battre contre les Soviétiques en Afghanistan. Mais en 1989, le monde a basculé. L'URSS a commencé sa décomposition. Américains et djihadistes perdent leur ennemi commun. Rendus euphoriques par leur victoire sur l'Union soviétique, les islamistes se tournent contre leurs anciens protecteurs, emmenés par des leaders dont la haine de l'Occident a grandi dans les geôles égyptiennes, comme Ayman al-Zawahiri et le cheikh Abdelrahman, alias le cheikh aveugle. Pour ce clan des Égyptiens, la victoire contre les Soviétiques n'est pas la fin, mais le début de leur combat, qui se poursuit désormais sur le sol américain. Le FBI accentue alors sa surveillance du cheikh, parvenant même à infiltrer sa garde rapprochée grâce à Ahmad Salem, l'artificier des terroristes qui travaille en réalité pour le FBI. Mais à la suite d'une brouille avec sa hiérarchie, Ahmad abandonne sa mission. Les terroristes lui trouvent très vite un remplaçant, un jeune ingénieur de 34 ans, Ramzi Youssef. Quelques semaines plus tard, la bombe est prête. Elle explose le 26 février 1993, dans les sous-sols du World Trade Center. La route de la terreur prend désormais la forme d'une course contre la montre, où les terroristes conserveront toujours une longueur d'avance, jusqu'au matin du 11 septembre 2001. Dans les jours qui suivent ce premier attentat contre le World Trade Center de New York, le FBI tente de convaincre Ahmad Salem de reprendre sa mission d'infiltration parmi les fidèles du cheikh Abdelrahman, le cheikh aveugle. Avec $1 million à la clé, Ahmad accepte et parvient rapidement à devenir son assistant personnel. J'arrivais chez lui à 7 heures du matin. Je préparais le repas, je faisais le service pour lui et pour ses invités s'il en avait. Je faisais la vaisselle, je l'emmenais aux toilettes. Il est aveugle, donc il ne peut pas marcher tout seul. Alors je lui enfilais ses pantoufles et ainsi de suite. Un des disciples du cheikh Omar s'appelait Sidi Ghali. Un jour, il a commencé à me parler de faire sauter quelque chose dans ce pays. J'ai répondu, c'est une bonne idée, on devrait le faire.
Il a mentionné différentes cibles. Le World Trade Center, de nouveau, pour que les Américains comprennent bien qu'on peut les frapper n'importe quand. Et il a aussi parlé d'une réserve d'armes militaires sur la 96e rue et d'autres cibles potentielles. Emad m'a transmis l'info dans les jours qui ont suivi. On était face à un nouveau complot. On avait un entrepôt qu'on utilisait dans une autre opération d'infiltration et on a dit à Emad de proposer cet entrepôt à Sidi Gali pour y installer leur quartier général et pour y mener l'opération. On a planqué des caméras, on a mis un micro sur Al-Salem pour pouvoir entendre ses conversations, on a fait des heures de surveillance, on a fait des enregistrements vidéo des conspirateurs, on a suivi tout ça avec beaucoup d'attention. On passait des heures dans l'entrepôt à mélanger des produits chimiques. Avec les vapeurs, c'était l'enfer. Il y avait 5 bombes dans le hangar. Et avec la chaleur, à la moindre étincelle, au moindre faux mouvement, 2 ou 3 pâtés de maison auraient été rayés de la carte. À ce moment-là, on avait 5 bombes. Chacune pesait 700 kilos. En termes de puissance, c'était l'équivalent de la bombe utilisée pour l'attentat d'Oklahoma City. On avait une bombe pour le Holland Tunnel, une pour le Lincoln Tunnel, une pour le Washington Bridge, une pour les Nations Unies et une pour l'immeuble du FBI. Le danger potentiel était énorme. On essayait de garder la situation sous contrôle grâce à notre informateur et notre travail de surveillance. Mais ces hommes voulaient faire sauter simultanément le pont et les tunnels qui relient New York au New Jersey, le bâtiment des Nations Unies et les bureaux du FBI à Manhattan. Des milliers de gens seraient morts noyés dans les tunnels sous l'Hudson. C'était un complot de grande envergure et extrêmement dangereux. Le FBI, qui contrôle l'ensemble de l'opération, décide alors d'attaquer la tête du réseau. Et la tête, pour les enquêteurs, c'est le chèque aveugle. Il serait l'homme qui, au nom d'Allah, autorise et incite même les fidèles à attaquer les Américains. Équipé d'un micro, Emad va tenter de le compromettre. J'ai emmené le chèque dans la cuisine, qui était toute petite, et je lui ai dit que Sidig et moi avions commencé à construire quelque chose d'énorme pour les Nations Unies. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait, si c'était acceptable ou si c'était illicite. Le Cheikh Omar m'a répondu que ce n'était pas illicite, que c'était OK, mais qu'il ne fallait pas le faire. J'ai demandé pourquoi il ne fallait pas le faire, et il m'a dit que ça valait mieux. Ensuite, il a mis sa bouche tout près de mon oreille gauche parce que je le maintenais du bras gauche, et il a chuchoté. Cet enregistrement, réalisé par Emad Salem, est pour la justice américaine la preuve de l'implication du Cheikh dans les actions terroristes du réseau. Dans la nuit du 24 juin 1993, Mary Jo White donne l'ordre au FBI d'arrêter l'ensemble du réseau. Interpellé peu après, le Cheikh aveugle est condamné à la prison à vie. Mais l'auteur du premier attentat de 1993 contre le World Trade Center, quant à lui, court toujours. Pour les Américains, Ramzi Youssef est désormais l'ennemi public numéro un. Ramzi Youssef, while born in Kuwait, was born of Pakistan. Ramzi Youssef est né au Kuwait de parents pakistanais et palestiniens.
Donc, dès sa plus tendre enfance, il avait été sensibilisé à la cause palestinienne. Et il avait une haine très forte envers l'Occident, et en particulier envers Israël. Une haine ancrée au plus profond de lui. On a affaire à quelqu'un qui avait toutes les connaissances techniques pour jouer un rôle très actif dans la mise au point d'explosifs et dans la planification des opérations. Une autre facette intéressante de Ramzi Youssef, ce sont ses liens familiaux. Il est le neveu de Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau des attaques du 11 septembre. Le radicalisme est donc ici une tradition familiale. À cela, il faut ajouter que tous les deux avaient eu des contacts avec Sheikh Abdulrahman. Fin 1994, le djihad a un nouveau champ de bataille, les Philippines. Les combattants arabes affluent vers l'archipel en proie à une guérilla islamiste. Parmi eux, Khalid Sheikh Mohammed et son neveu Ramzi Youssef. Les deux complices ont de nombreux projets. Sous leur couverture de businessman, ils se rencontrent dans les bars de Manille, avec une prédilection pour les karaokés de la ville, sûrs de ne pas pouvoir être placés sur écoute. Le cadre est dépaysant, mais rien ne les détourne de leur mission. New York, New York. Peut-être ont-ils eux aussi entendu cet air célèbre comme un clin d'œil à leurs propres obsessions. Les deux hommes font des rencontres. Des filles de Manille, heureuses de fréquenter ces riches hommes d'affaires. Ils vont les utiliser pour mener à bien leur plan. Les chargent d'acheter les composants pour la fabrication de leur prochaine bombe. Ils projettent tout d'abord d'assassiner Bill Clinton, mais optent finalement pour le pape, qui doit venir à Manille en janvier 1995. Ramzi a mis au point un nouveau dispositif diabolique indétectable. Il était là pour perfectionner une bombe qui allait devenir l'invention de la décennie, voire l'invention du siècle. C'est une bombe liquide indétectable par les détecteurs de métaux des aéroports. Et il l'a testée à plusieurs reprises. Un de ces essais s'est déroulé dans un cinéma de Manille, le Greenbelt Theater, où il a fait placer une bombe liquide. Il a envoyé Khalid Sheikh Mohammed placer l'engin sous un siège de la salle de cinéma. Et elle a explosé à 10h30 du soir. Une seule personne sera blessée dans le cinéma, mais le test est concluant. Étape suivante, parvenir à introduire son dispositif dans un avion commercial. Ramzi Youssef embarque à Manille à destination du Japon. Lors de l'escale prévue sur l'île de Cebu, il disparaît, laissant le dispositif sous un siège. La bombe explose, comme prévu, tuant un passager. Mais le pilote parvient à poser l'avion au Japon. À une rangée de sièges près, l'avion aurait été brisé en vol. Je me suis rendu à Manille pour enquêter sur ce qui se passait. Mais on n'avait pas d'idée précise à ce stade de ce qui se préparait réellement. Par la suite, des renseignements ont émergé à propos du complot, et ces renseignements sont d'ailleurs apparus de façon totalement fortuite, à la suite d'un incendie dans un appartement de Manille où ils étaient en train de fabriquer les explosifs. J'étais extrêmement impressionné par l'audace et l'ingéniosité de leur plan. Le complot prévoyait la destruction simultanée de 11 avions de ligne américains au-dessus du Pacifique, et il a été à deux doigts de réussir. Le complot est en effet déjoué au dernier moment, lorsque l'appartement où Ramzi fabrique ses explosifs prend feu. Ramzi s'enfuit, mais laisse derrière lui son ordinateur, grâce auquel la police découvre les détails du complot
baptisé Bojinka. L'un de ses complices, Abdul Hakim Mourad, un pilote de ligne, est arrêté. Il est interrogé par le colonel Mendoza, vétéran de la lutte contre les insurgés islamistes, qui menace de le livrer au service de renseignement israélien, le Mossad. Je lui ai dit, vous me racontez 50% de vérité et 50% de mensonges. Si vous dépassez les 50% de mensonges, alors j'arrête de perdre mon temps avec vous et je vous remets aux Israéliens. Je commence à perdre patience. Comment voulez-vous que je croie les histoires que vous inventez? Mais en réalité, je commençais à le croire. Pourquoi? Je l'ai lu dans son regard. Il ne clignait pas des yeux. Il me regardait bien en face. C'est ça que je cherchais. C'est un regard que je connais bien, que j'ai vu très souvent. C'est le regard d'un type qui dit la vérité. En poursuivant leur étude de l'ordinateur, les enquêteurs découvrent de nouveaux éléments. C'est la suite du plan Bojinka, dont la conception est radicalement nouvelle. Ce qui m'a vraiment surpris dans le troisième volet du projet Bojinka, c'est l'idée de prendre le contrôle d'un avion de ligne au-dessus des États-Unis, de se mettre aux commandes et de faire s'écraser l'appareil sur le siège de la CIA à Langley, en Virginie, et sur d'autres cibles. J'ai demandé à Mourad, comment vous êtes au courant? Parce que Ramzi Youssef me l'a dit. Alors vous avouez être un des pilotes. Monsieur Mourad, vous m'avez dit que vous aviez appris à piloter ici. Qui sont vos compagnons? Il y a un programme d'entraînement des pilotes aux États-Unis. Je n'en croyais pas mes oreilles. Monsieur Mourad a bien précisé qu'il s'agissait d'un attentat suicide commis en utilisant un avion. Vous pensez que certains des pilotes du 11 septembre étaient prêts à passer à l'action dès 1995? Oui, mes analyses tendent à montrer que certains étaient sans doute déjà là. J'ai des raisons de penser que ce plan a servi de modèle aux attaques du 11 septembre. Les informations qui nous sont parvenues à Washington via l'antenne de la CIA à Manille ont attiré l'attention de la Maison-Blanche sur un complot qui visait à faire exploser simultanément plusieurs avions en vol à l'aide d'une bombe placée dans l'appareil. Le terroriste descendait à une escale et la bombe sautait alors que l'avion avait redécollé. On a concentré une grande partie de notre attention et de nos activités là-dessus, mais jamais la CIA ne nous a dit « ce n'est pas la seule possibilité, envisagez aussi des avions qui s'écrasent sur les immeubles ». Ces informations en provenance des Philippines sont pourtant capitales. 6 ans avant les attentats du 11 septembre, les terroristes avaient donc déjà imaginé utiliser des avions de ligne comme de redoutables armes qui prouveront leur terrible efficacité. À l'époque, on ne faisait pas le lien entre menace islamiste et attentat suicide. L'époque des pirates de l'air qui détournent un avion vers Cuba était révolue. Là, tout le monde allait y passer. La perception du gouvernement américain dans son ensemble n'était pas vraiment en phase avec les nouvelles réalités. Il faut du temps pour que se produise un changement d'attitude par rapport aux menaces qui nous entourent. C'est un processus très lent. Le plus souvent, il faut qu'il y ait un changement de génération, ou bien qu'un événement dramatique vienne remettre en question l'opinion dominante.
assumption. L'Amérique est alors sous le choc de l'attentat d'Oklahoma City, rapidement attribué à l'extrême droite américaine. C'est un bâtiment du gouvernement fédéral qui a été visé, faisant 168 morts et près de 700 blessés. Le poseur de bombes, Timothy McVeigh, sera condamné à mort. Une piste pourtant ébauchée au départ de l'enquête ne semble pas totalement explorée à ce jour. Personne ne semble prêter attention au fait que son complice, Terry Nichols, se trouvait quelques mois avant l'attentat aux Philippines et dans la même ville que Ramzi Youssef. On sait que Terry Nichols avait toutes les peines du monde à fabriquer une bombe qui fonctionne. Et quand il est rentré des Philippines, il savait comment faire. On sait que Terry Nichols et Ramzi Youssef étaient dans la même ville, au même moment. Drôle coïncidence. Tous deux étaient intéressés par des bombes. Tous deux étaient des farouches ennemis du gouvernement américain. Est-il possible que dans une ville moyenne des Philippines, deux hommes intéressés par les explosifs et qui haïssent le gouvernement américain aient pu se rencontrer? C'est concevable. Les autorités américaines décident d'employer les grands moyens pour arrêter Ramzi Youssef. Sa tête est mise à prix pour 2 millions de dollars. Son portrait est imprimé sur des centaines de milliers de tracts distribués au Pakistan, où il a désormais trouvé refuge. Le 7 février 1995, il est dénoncé et arrêté. Son oncle, Khalid Sheikh Mohammed, reste, lui, toujours en cavale. On a retrouvé sa trace au Qatar, où nos sources indiquaient qu'il travaillait pour le gouvernement qatari au ministère de l'eau. On voulait vraiment lui mettre la main dessus, mais je me suis dit que s'il travaillait pour le gouvernement, c'est que quelqu'un lui avait trouvé ce boulot. Et si on allait voir le gouvernement qatari en disant « arrêtez cet homme et livrez-le nous », il y avait très peu de chances pour que ça aboutisse. Donc, je voulais que le FBI, en lien avec la CIA, s'empare de lui et l'extrade discrètement, sans rien dire aux Qataris. Le FBI a répondu qu'ils étaient incapables de monter un enlèvement à l'étranger. On s'est tourné vers la CIA. Mais la CIA a dit, on n'a pas d'antenne au Qatar et en plus, on n'a pas vraiment d'équipe spécialisée dans les enlèvements. Alors on s'est adressé aux forces spéciales de l'armée américaine, à la Delta Force. On sait que vous avez des spécialistes de ce genre d'intervention. Ils nous ont répondu, c'est vrai, mais pour ce genre de mission, il nous faudrait 2000 hommes, des hélicos et un porte-avions en renfort. Ce qui aurait éveillé les soupçons. Ces ministères et ces agences ont beaucoup de mal à travailler ensemble, à coopérer. Il faut donc qu'il y ait une personne ou un groupe de personnes qui prennent les choses en main, qui les force tous à aller dans la même direction. Parce que pour faire ce qu'ils ont à faire, ils doivent coopérer. Mais ça ne leur vient pas naturellement. Ça peut se faire à l'occasion, mais pour cela, il faut un conseil de sécurité nationale avec des gens qui connaissent bien les différentes agences et leurs fonctionnements respectifs. Il faut qu'il y ait cette structure pour faire asseoir tous ces chiens et chats dans une seule et même pièce et qu'ils s'engagent à faire ce qui doit être fait. Et en plus, il faut que cela soit fait à suffisamment haut niveau, que ce soit des chiens et chats qui ont un vrai pouvoir de décision. La Maison-Blanche n'avait plus le choix. Il fallait s'adresser au gouvernement du Qatar. J'ai appelé notre ambassadeur à Doha et je lui ai dit « Adressez-vous tout en haut, ne traitez qu'avec l'émir et surtout, dites-lui de n'en parler à personne. Qu'il ordonne un détachement militaire composé d'hommes de confiance,
d'interpeller Khaled Sheikh Mohammed. Ils n'auront pas besoin de le garder longtemps. On enverra un avion immédiatement et on les en débarrassera. Mais notre ambassadeur avait à peine été reçu par l'émir qu'il avait disparu. Il avait manifestement été averti par un membre du gouvernement qatari. Je pense que si on l'avait capturé à ce moment-là, ça n'aurait pas forcément dissuadé Ben Laden de perpétrer des attentats sur le sol américain, mais ça aurait éliminé le seul homme dans l'organisation de Ben Laden, puisqu'il faisait désormais partie d'Al-Qaïda, qui était capable de mener à bien les attentats. Pendant cette même période, au milieu des années 90, l'Arabie saoudite fait face à une importante poussée de l'extrémisme sunnite. Mais les États-Unis, et plus généralement le monde occidental, réalisent encore mal la portée de cette radicalisation de l'islam sunnite pour les années à venir. Nos dirigeants avaient grandi à une époque où les Palestiniens, ou les Brigades Rouges, représentaient les principales menaces terroristes, suivies à partir du milieu des années 90 par les chiites, notamment à cause du Hezbollah et de l'Iran. Donc pendant toutes les années 90, on a eu un mal fou à convaincre les gouvernements que les sunnites étaient une menace grandissante, et que, en raison de la taille de la population sunnite et de sa dispersion géographique, ça pouvait représenter à terme un danger beaucoup plus grand que les chiites. J'ai discuté plusieurs fois avec des membres de la famille royale et du gouvernement saoudien de la radicalisation de certains Saoudiens suite à des séjours en Afghanistan. Il y avait dans certaines mosquées des sermons très réactionnaires, extrémistes et menaçants. Mais les gens à qui j'en ai parlé ont fait preuve d'une complaisance tout à fait regrettable. Ils n'ont pas pris la menace avec suffisamment de sérieux. Cet homme en gris, aux côtés du roi Fahd, s'appelle Bakr Ben Laden. Il est l'un des hommes les plus puissants du royaume saoudien et le frère d'Oussama Ben Laden. Je dois connaître 11 frères d'Oussama Ben Laden. Ils sont tous très différents. Et j'ai le plus grand respect pour chacun d'entre eux. Chaque famille a son mouton noir. Et malheureusement, dans ce cas précis, il était extrêmement noir. Oussama Ben Laden était le 17e fils sur un total de 52 à 54 enfants. La particularité d'Oussama Ben Laden est qu'il est le seul enfant du dernier mariage de Mohammed Ben Laden. Sa mère s'appelle Hamida. C'est une Syrienne d'origine palestinienne. On raconte que c'était une femme à la beauté remarquable et au caractère bien trempé. Ce n'était pas du tout une épouse soumise. Le mariage n'a pas duré longtemps. Mohammed Ben Laden s'est vite lassé d'elle et il a divorcé. Elle était surnommée Al-Bida, l'esclave. À la différence des autres épouses de Mohammed Ben Laden, qui lui ont toutes donné deux ou trois enfants, Hamida n'a eu qu'un fils, Oussama, qui était surnommé Ibn al-Bida, le fils de l'esclave. On peut donc penser que l'attitude de défi envers la famille royale saoudienne, dont il allait faire preuve plus tard, était en réalité une rébellion contre l'autorité paternelle. Cette autorité paternelle qui avait rejeté sa mère et qui avait fait de lui le fils de l'esclave. Pour bien comprendre l'entrée en scène de Ben Laden, il faut remonter quelques années en arrière, et plus précisément en 1990, au moment de la première guerre du Golfe. C'est de là que date son premier conflit avec la famille royale saoudienne.
Après l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, Ben Laden n'était bien sûr pas du tout content que l'Arabie saoudite laisse stationner des troupes étrangères sur son sol. Mais je suis certain que le roi non plus n'était pas enchanté de voir des troupes étrangères dans le pays. Ça ne réjouissait personne, mais c'était une nécessité. Ben Laden a suggéré une alternative. Au lieu de faire venir des troupes étrangères, je peux réunir des milliers de moudjahidines arabes et on chassera nous-mêmes Saddam Hussein du Koweït, pâté de maison par pâté de maison. Cette suggestion n'a jamais été prise au sérieux. Premièrement, il n'y avait aucune garantie que ça réussisse, et deuxièmement, il y aurait eu un risque d'escalade militaire entre l'Arabie saoudite et l'Irak si les troupes étrangères n'avaient pas été là. Si Oussama Ben Laden avait réussi, il serait devenu un héros. Mais peut-être que personne n'avait envie qu'il devienne un héros. Quoi qu'il en soit, c'était un peu ridicule. Ben Laden a attiré notre attention parce que son argent était lié de façon croissante à des gens que les États-Unis trouvaient préoccupants. On l'appelait entre nous la Fondation Ford du terrorisme. Et il était très généreux. C'est d'abord par son soutien financier à plusieurs attentats commis depuis les années 90 que Ben Laden est repéré par les Américains. Brouillé avec les Saoudiens, il s'exile au Soudan, puis en Afghanistan. En février 1996, il déclare officiellement la guerre aux États-Unis, sous la forme d'un fax qu'il adresse à plusieurs journaux à travers le monde. Au même moment, un important transfuge du réseau de Ben Laden en apprend beaucoup aux Américains. Il s'appelle Jamal Al-Fadl. Ces informations permettent aux enquêteurs de pénétrer pour la première fois dans le réseau Al-Qaïda. We know from Jamal. On sait par Al-Fadl que Ben Laden l'a chargé d'obtenir de la matière fissile. Dans ces conditions, cela veut dire pouvoir attaquer n'importe qui et n'importe où. Il faut avoir à l'esprit ce que dit Ben Laden dans sa fatwa. Je vais la paraphraser parce que c'est capital. Ben Laden dit que le devoir de tout bon musulman, c'est de tuer les Américains où qu'ils se trouvent. Et il ne parle pas seulement des Américains, mais aussi de leurs alliés. Donc, ça veut dire tuer des Français, des Anglais, ou n'importe quel autre citoyen d'un pays allié des États-Unis. Pour moi, si vous avez affaire à quelqu'un qui vous déclare la guerre, qui vous présente comme une cible légitime et qui veut vous assassiner, vous devez prendre cette menace au sérieux. La déclaration de Ben Laden est conforme à certains usages de l'islam, qui exigent qu'on avertisse son ennemi de ses intentions. Cette déclaration de guerre marque le début de la réelle prise de conscience par les autorités américaines de la menace. Une menace tous azimuts, diffuse. Elle s'exerce désormais contre tout citoyen qui, bien souvent, n'a encore jamais entendu le nom d'Oussama Ben Laden. Mais pour le moment, les Américains tentent d'agir indirectement, en faisant pression sur leurs alliés, notamment l'Arabie saoudite. On a travaillé avec les Saoudiens pour essayer de trouver une solution. On espérait que les Saoudiens allaient réussir à le ramener au bercail, si vous voulez. On espérait, grâce à diverses incitations, comme la possibilité pour lui de revenir au pays, ou peut-être même grâce à des promesses de réforme, que Ben Laden soit finalement réabsorbé dans les milieux salafistes en Arabie saoudite et que le problème serait réglé. Des discussions ont eu lieu, et en particulier en 1995, lors de ma dernière entrevue avec lui, j'espérais réussir à le ramener dans le camp des modérés.
J'ai essayé de le convaincre de prendre position contre un attentat terroriste qui avait eu lieu quelques mois plus tôt en Arabie Saoudite. Ça aurait pu briser la glace entre lui et le gouvernement saoudien, et par la suite, par l'intermédiaire de sa famille, le gouvernement aurait pu faire un petit geste en lui permettant de revenir en Arabie Saoudite. Mais malheureusement, Ben Laden n'avait pas l'indépendance nécessaire. Il était sous l'influence des radicaux égyptiens. Oussama Ben Laden est désormais chez lui en Afghanistan. Ses hommes se préparent au djihad dans ses camps d'entraînement. À ses côtés, un de ses frères d'armes dans la guerre contre les soviétiques, l'égyptien Ayman al-Zawahiri. Depuis le procès des assassins du président Sadat, ce médecin a entamé sa propre croisade contre son successeur Hosni Moubarak et les infidèles du monde entier. Zawahiri va tout faire pour que Ben Laden rejoigne sa guerre sainte. Quand Ayman al-Zawahiri a rejoint Ben Laden en 1997, il lui a dit « Ce que vous faites, ça ne vaut rien. Vous devez apprendre à mieux connaître votre ennemi, apprendre à le manipuler et à utiliser la puissance de cet ennemi pour qu'il devienne votre agence de relations publiques. » Alors Ben Laden a demandé, et comment on fait ça? Al-Zawahiri a répondu, les Américains, si on sait comment les provoquer, ils réagissent comme des cow-boys. Ils ne réfléchissent pas, ils ne prennent pas le temps d'étudier les choses avec attention et de réagir avec sagesse. La première chose à faire, c'est de laisser tomber les attentats contre les intérêts américains dans le Golfe. Il faut trouver un symbole de la puissance américaine et ensuite faire une déclaration qui dit que chaque Américain est une cible. L'ennemi, c'est l'identité américaine elle-même. Pour les musulmans, l'Amérique est une des causes de leur souffrance. Premièrement, parce qu'elle soutient Israël. Deuxièmement, parce qu'elle est un allié très proche de beaucoup de régimes fantoches, de beaucoup de régimes despotiques dans le monde arabo-musulman. Et troisièmement, parce que l'Amérique tue des Irakiens avec son embargo. Ils ont donc toutes les raisons du monde de haïr l'Amérique. Et aux yeux des musulmans, vous devez apparaître comme le sauveur, comme celui qui ose s'opposer à ce démon. Al-Zawahiri et Ben Laden mettent immédiatement leur stratégie en pratique. La cible, les deux ambassades américaines de Nairobi au Kenya et Dar es Salaam en Tanzanie. Le mode opératoire, l'explosion simultanée de deux bombes portées par des kamikazes. Bilan, 224 morts et plus de 5000 blessés. Kenyans et Tanzaniens pour la très grande majorité. Les États-Unis sont totalement pris de court. Ce sera la réelle prise de conscience du danger qu'ils ont tant tardé à mesurer. Le 20 août, 13 jours plus tard, c'est la réplique. Bill Clinton ordonne deux séries de tirs de missiles sur des cibles en Afghanistan et au Soudan. Il est en train de suivre à la lettre le plan imaginé par Al-Zawahiri. Our target was terror. Our mission was clear. To strike at the network of radical groups affiliated with and funded by Osama bin Laden, perhaps the preeminent organizer and financier of international terrorism in the world today. Personne ne le connaissait et d'un seul coup, tous les médias américains ne parlaient que de lui et essayaient d'en savoir plus à son sujet. On s'est retrouvé à balancer des missiles qui valaient des millions de dollars sur des tentes. Pour moi, c'était une grave erreur. C'était un type sans grande importance et on en a fait une vedette. Piqué à vif, le monde musulman se soulève contre les représailles américaines. La stratégie d'Al-Zawahiri continue de fonctionner. Quand on a appris la nouvelle des attentats, l'opinion publique était à 50% contre, 50% pour dans le monde musulman. Mais quand Clinton a commencé à présenter Ben Laden comme un ennemi, alors 99% des musulmans ont soutenu Ben Laden.
Ça a tout changé sur le plan psychologique. Une nouvelle figure émergeait. Et les musulmans le voyaient comme un sauveur. Ils étaient ravis que quelqu'un ose défier les Américains. Les musulmans ont cru en Nasser, mais il les a déçus. Ils ont cru en Saddam Hussein, il les a déçus. Ils ont cru en Kadhafi, il les a déçus. Mais là, enfin, ils avaient trouvé leur sauveur. Les Saoudiens, en 1998, étaient arrivés à la conclusion que Ben Laden était non seulement une menace pour nous, mais aussi pour la famille royale. Ils étaient prêts à prendre des mesures contre lui, mais ils préféraient faire les choses à la saoudienne, c'est-à-dire en persuadant les talibans ou les pakistanais de leur remettre Ben Laden, plutôt que d'avoir recours à des mesures plus radicales, comme une attaque de drone ou une frappe de missile téléguidée. Les Saoudiens pensaient que ça n'aurait fait qu'amplifier le mythe Ben Laden. Les Saoudiens ne parviennent pas à convaincre les talibans, nouveaux maîtres de l'Afghanistan, de lâcher Ben Laden. Les Américains tentent alors le tout pour le tout en allant négocier directement à Kaboul. Bruce Rydell est du voyage. C'était vraiment la rencontre de deux mondes. On était assis sur des chaises, les talibans étaient assis par terre. On avait des attachés case et ils avaient des kalachnikovs et des lance-roquettes. On essayait de les convaincre que Ben Laden était un terroriste international. Ils étaient persuadés que c'était un djihadiste qui menait une guerre sainte. Moins de 12 heures après le double attentat, alors que les secours s'organisent, l'agent du FBI, John Antichef, arrive sur les lieux. Il est accompagné de 200 agents spéciaux qui vont mener l'enquête. C'était une vision de cauchemar. Ça fait un choc de voir une ambassade complètement éventrée par une explosion, complètement sans dessus-dessous. L'école de secrétariat qui était juste à côté avait été littéralement aplatie comme une crêpe. Un suspect est rapidement repéré dans un hôtel de la ville. Il s'appelle Mohamed Sadiq Odeh. John Antichef est chargé de l'interroger. Je savais que c'était lui qui avait placé la bombe et qu'il était un Mujahideen. Je ne lui ai pas demandé s'il avait été en Afghanistan. Je lui ai demandé où il avait combattu en Afghanistan. Il n'a pas pu se retenir. Il m'a dit « J'étais à Jalalabad ». Je savais par de nombreux entretiens que j'avais menés au fil des années que c'était une bataille très importante, que c'était quelque chose d'avoir combattu là-bas. Alors j'ai dit, vous avez dû être très courageux. Et il a répondu, oui, je l'étais. Et là, je savais que je le tenais. Si j'avais été à sa place, j'aurais appelé quelqu'un pour dire que j'étais toujours en vie et pour qu'on me sorte de là. Alors je lui ai mis un crayon dans la main et je lui ai dit « Notez le premier numéro que vous avez appelé en revenant à l'hôtel. » J'ai tapé de la main sur la table, pas très fort, juste pour le secouer un peu. Il a noté un numéro de téléphone. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais ça s'est révélé être un numéro bien connu. Le numéro d'une planque au Yémen, utilisée par Ben Laden. On avait donc la preuve que l'attentat avait été commis par Al-Qaïda. Le numéro recueilli par Antichef est celui de cette maison, au Yémen. Elle sert alors de relais pour toutes les communications téléphoniques entre Ben Laden en Afghanistan et ses hommes à travers le monde. La NSA, l'agence américaine spécialisée, place le numéro sur écoute. Mais l'Amérique se passionne alors pour une toute autre histoire. Monica Lewinsky says that while you were in the Oval Office area, you touched her breast, would she be lying? That is not my recollection. My recollection is that I did not have sexual relations with Ms. Lewinsky, and I'm staying on my former statement about that. If Monica Lewinsky says that you used a cigar as a sexual aid with her in the Oval Office area, would she be lying? Yes, no, or won't answer. I will revert to my former statement. When we discussed retaliation with President Clinton, we were aware... Quand on a discuté de représailles avec le président Clinton, on savait que certaines personnes verraient ça comme une tentative de détourner l'attention de ses problèmes politiques.
Et quand on l'a évoqué, il s'est mis dans une colère noire et il a dit « Écoutez, mes problèmes politiques ne regardent que moi. C'est moi qui prends les décisions sur le plan politique et j'ai des conseillers dont c'est la spécialité. Vous, vous êtes mes conseillers à la sécurité. Ne me parlez pas de politique. Donnez-moi votre avis sur ce qui touche à la sécurité nationale et laissez-moi prendre en compte le côté politique. » Mêlez-vous de ceux qui vous regardent. Le message était clair. Mais les informations fournies par la CIA ne sont pas toujours fiables. Une pluie de missiles atteint cette usine de Khartoum au Soudan, accusée, à tort, de fabriquer des armes chimiques pour Ben Laden. Le même jour, 75 missiles atteignent des camps d'entraînement où Ben Laden est repéré par la CIA. Mais il change ses plans. Et là encore, les missiles ratent leur cible principale. En réalité, en 98 ou 99, notre collecte de renseignements en Afghanistan laissait à désirer. Et après ce qui s'était passé le 20 août, avec les deux séries de frappes ratées, la pression était montée d'un cran. On ne pouvait pas se permettre d'envoyer de nouveaux missiles dans la région et de manquer la cible. Ça n'était pas envisageable. On avait besoin d'informations très solides, parce que franchement, un président américain ne peut pas se permettre de lâcher des bombes sur des cibles qui ne sont pas avérées. Pour moi, on n'avait pas abordé le problème de la bonne manière. Des représailles, ils font sauter une ambassade, on bombarde un camp, ça ne résout rien, c'est sans fin. Il fallait cesser de penser en termes de représailles. Il fallait penser en termes de destruction. Richard Clarke prend les choses en main. Il veut en finir avec Al-Qaïda. Il met au point un plan d'attaque global qu'il baptise Delenda, un mot latin qui signifie « qui doit être détruit ». Le plan élabore une stratégie tous azimuts, diplomatique, financière et militaire. Mais sur ce dernier volet, les différentes composantes du gouvernement américain se divisent. L'élément central de Delenda n'a jamais été approuvé. C'était le bombardement systématique et soutenu des camps d'Al-Qaïda en Afghanistan. Mais jamais personne n'a été d'accord. On effectuait des bombardements réguliers en Irak en raison de la zone d'exclusion aérienne. On bombardait en ex-Yougoslavie. Et beaucoup de gens aux affaires étrangères et à la Maison-Blanche disaient « L'Amérique a déjà la réputation de bombarder à tout va. On n'a pas besoin d'un troisième pays qu'on arrose de missiles en permanence. » Pendant ce temps, l'enquête sur Al-Qaïda progresse, notamment grâce au numéro de téléphone de la maison du Yémen obtenu par John Antichef du FBI. Les écoutes permettent à la CIA de recueillir une information essentielle. Une réunion au sommet d'Al-Qaïda doit avoir lieu le 5 janvier 2000 à Kuala Lumpur en Malaisie. Pourtant, en retour, la CIA ne communique pas cette information capitale au FBI. Selon moi, cette réunion était vraiment cruciale. On était 16 ou 18 mois avant le 11 septembre 2001, et on sait aujourd'hui que certains des hommes présents ce jour-là ont participé aux attentats du 11 septembre. Incroyable dysfonctionnement au sein des services. Tandis que le FBI tente de mettre la main sur ce réseau terroriste, la CIA ne transmet pas l'information selon laquelle deux de ses membres viennent de pénétrer sur le sol américain grâce à des visas à entrée multiples parfaitement en règle. Khalid al-Midar et Nawaf al-Azmi ont joué un rôle très important dans le 11 septembre. Tous deux avaient suivi une formation de pilotes et étaient présents à la réunion de Kuala Lumpur. Voilà le fond de ma pensée.
Si on nous avait parlé de ces deux types qui étaient sur le sol américain 16 ou 18 mois avant les attentats du 11 septembre, est-ce qu'on se serait intéressé à eux? Bien entendu. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire en 18 mois? Eh bien, d'abord, on aurait pu les placer sous surveillance. Et on aurait probablement pu avoir l'autorisation de mettre leur téléphone sur écoute. On aurait mis en avant le fait qu'ils étaient des agents d'une puissance étrangère. Surveiller les forums où ils se connectaient, les cybercafés qu'ils fréquentaient, les transferts d'argent qu'ils effectuaient. Et avec toutes ces informations, vous ne croyez pas qu'on aurait eu vent du complot du 11 septembre ? On aurait en tout cas découvert une bonne partie de ce qui se préparait. Pourtant, à l'époque, la lutte contre Al-Qaïda est confiée à une structure spéciale où siègent côte à côte représentants du FBI et de la CIA. Baptisée Alex Station, c'est une entité à part, hors cadre, qui fonctionne selon ses propres règles dans un lieu anonyme de la banlieue de Washington. Bien sûr que le FBI aurait dû être formé. Ça aurait dû être automatique. Il n'y avait aucune raison logique de ne pas les avertir. Voilà comment les choses se passent. Vous écrivez une dépêche, puis vous la faites passer électroniquement à la personne immédiatement au-dessus de vous. C'était moi le supérieur, donc j'ai reçu le message, je l'ai lu, et j'ai cliqué pour le transmettre à la personne suivante, qui était censé l'approuver ou le corriger avant de l'envoyer. Mais le message n'est pas allé plus loin que la personne à qui je l'avais envoyé. Je suis allé voir cette personne, qui m'a dit « Ça ne concerne pas le FBI. C'est une affaire qui regarde la CIA, parce que le prochain attentat d'Al-Qaïda aura lieu en Asie du Sud-Est. Si on juge bon de mettre le FBI au courant, on les mettra au courant. » Deux des futurs pirates du 11 septembre sont donc quelque part sur le territoire américain. Le compte à rebours entre dans sa dernière phase. La décision de ne pas partager avec le FBI l'information les concernant paraît aujourd'hui insensée. Mais elle repose sur une pratique courante à l'époque entre services. Surnommée la muraille de Chine, elle a pour principe la protection des sources et des contacts des services secrets. Capital dans le monde du renseignement. Il y avait deux façons opposées d'aborder l'antiterrorisme, selon qu'on est dans les renseignements ou selon qu'on appartient aux forces de l'ordre. Les services de renseignement tentent de recueillir le plus d'informations possible sans intervenir pour voir si ça mène à d'autres éléments du complot terroriste. On laisse courir pendant assez longtemps, avec le risque que le groupe qu'on suit passe à l'action et tue des gens avant qu'on ait décidé d'intervenir. À l'inverse, l'objectif du FBI était d'agir le plus tôt possible. Dès qu'on apprend que quelqu'un appartient à un groupe terroriste, on le coffre. La CIA est donc amenée, a toujours été amenée, à travailler avec des sales types. Ce sont des gens qui ont du sang sur les mains. Mais quand on enquête sur un groupe terroriste, on sait qu'on ne va pas travailler avec des enfants de cœur. Nous sommes 18 mois avant les attentats du 11 septembre. La CIA connaît donc l'existence d'au moins deux des futurs pirates, Khalid Al-Midar et Nawaf Al-Azmi. Ils font partie d'un groupe qui sera bientôt coordonné par un jeune étudiant égyptien dont l'histoire retiendra le nom Mohamed Atta. Mohamed Atta a rencontré Ben Laden en 1998. C'était en Afghanistan. Le jeune homme est remarqué par le chef d'Al-Qaïda pour sa bravoure et ses qualités athlétiques. Mais pour le moment, Mohamed Atta semble un étudiant comme un autre au sein de l'université technique de Hambourg, où il suit depuis plusieurs années des études d'urbanisme. Il n'était pas très différent de beaucoup d'autres jeunes de son âge. C'est ça qui fait peur. Moi, j'ai eu peur à un moment.
Je suis égyptien comme lui. J'ai étudié à l'université du Caire comme lui. J'ai fait un master dans une université américaine. Il a fait un cours de langue dans une université américaine. Ensuite, je suis allé en Europe pour faire mon doctorat en Écosse. Et lui, il est allé en Allemagne pour faire son master. Alors quoi? Je pourrais être un terroriste, moi aussi. Mais bien sûr que non. Il était très en colère par rapport à la politique étrangère américaine, par rapport à ce que les Israéliens font subir aux Palestiniens. Alors je sais que certains Occidentaux n'aiment pas qu'on aborde cette question de la politique étrangère parce qu'ils pensent que c'est une tentative de légitimer le terrorisme. Ça ne justifie rien du tout. Mais ceci dit, si vous ignorez totalement les griefs exprimés par ces gens-là et que vous ne leur accordez pas la moindre importance, alors il y aura toujours un problème. Plus de 80% des nouveaux terroristes se sont radicalisés au sein de la diaspora. Il faut bien comprendre l'aliénation, l'impression d'insignifiance et de rejet qu'il a pu ressentir en Europe. Et il est loin d'être le seul dans ce cas. C'est un grand problème en Grande-Bretagne, c'est un grand problème en Espagne, en France. Et c'est là qu'un imam radical peut réussir à donner un sens à tout cela. Il va expliquer aux jeunes pourquoi il ressent ce sentiment d'échec. Et cet imam va aussi transfigurer le futur. Il ne s'agit pas simplement d'un suicide. Il s'agit d'entrer au paradis. L'itinéraire de Mohamed Atta passe ensuite par la Floride, par la petite ville de Venice, précisément. Le jeune étudiant de Hambourg débarque dans cette station balnéaire où des retraités de tout le pays viennent couler des jours tranquilles. Trois des quatre pilotes qui étaient aux commandes le 11 septembre sont passés par l'école de pilotage de Venise. L'itinéraire d'Atta pose lui-même de nombreuses questions. On sait qu'il y est venu prendre des cours sur de petits avions de tourisme. On sait aussi que Mohamed Atta avait déjà pris des leçons de pilotage ailleurs, notamment aux Philippines. Que venait-il faire ici, précisément ici, alors que la Floride possède à elle seule plus de 250 écoles de pilotage? Un journaliste américain se consacre depuis plusieurs années à tenter d'apporter des réponses à ces questions. Mais plus il fouille, et plus les questions s'accumulent, avec au centre la question du rôle et de la stratégie de la CIA. La chose importante qu'il faut bien comprendre sur l'aérodrome de Venise, c'est son emplacement. Il donne directement sur le golfe du Mexique, ce qui veut dire qu'on peut atterrir et décoller sans être vu de la côte. Il faut ajouter à ça que personne à l'aérodrome ne vous verra non plus, parce qu'il n'y a pas de tour de contrôle ici. Ça signifie qu'il n'y a absolument aucune présence policière ici. Profitant de cette situation privilégiée, la CIA se sert régulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale de l'aérodrome de Venise pour ses opérations d'infiltration des cartels de la drogue. Le long des pistes, voici l'école de pilotage où Mohamed Atta s'est inscrit 13 mois avant les attentats. Avant le 11 septembre, c'était une école de pilotage qui appartenait à un type du nom de Stan Huffman. Une petite école de pilotage en Floride qui formait des gens du coin. Une école comme beaucoup d'autres. Et puis, Wally Hilliard et Rudy Decker se sont pointés un jour et ils ont proposé à Stan Huffman de lui racheter son école cash. L'école n'était même pas à vendre. Ils lui en ont proposé deux fois sa valeur. Stan Huffman a pris le fric et il est parti. Decker et Hilliard ont immédiatement commencé à faire venir des élèves pilotes étrangers. Et peu de temps après, ici à Venise, 80% des élèves étaient arabes ou étrangers.
were Arab and foreigners. Il se passait quelque chose ici qui n'avait rien à voir avec le pilotage. L'homme qui dirigeait l'école de pilotage, quand Mohamed Atta y a suivi des cours, était aussi le propriétaire d'un jet qui avait été saisi à l'aéroport d'Orlando par des agents de la brigade des stupéfiants armés de mitrailleuses. C'était 3 semaines après l'arrivée en Floride de Mohamed Atta. Et les stupes ont trouvé plus de 20 kilos d'héroïne dans l'avion. Il faut se demander pourquoi ils sont venus ici. Peut-être qu'ils ont choisi la Floride et Venice au hasard. C'est une possibilité. Mais si jamais ils sont venus à Venise parce que la CIA y menait des opérations secrètes depuis 40 ans, alors là, c'est une toute autre histoire. Il ne reste que quelques pièces pour assembler le puzzle. Ces pièces, ce sont les futurs pirates qui commencent à se regrouper aux États-Unis. Une course de vitesse s'est engagée entre cette toile qui se tisse et que rien ne semble pouvoir arrêter et les autorités américaines, profondément divisées sur la stratégie à mener. Tandis que la CIA poursuit ses opérations secrètes, les services de renseignement de l'armée américaine lancent leur propre programme, un programme secret pour traquer Al-Qaïda. Baptisé Able Danger, il repose sur l'utilisation d'ordinateurs ultra-performants capables de recouper des millions de bases de données électroniques. Fondé sur l'analyse des profils terroristes déjà connus, il est capable de repérer toutes les connexions jugées suspectes par les services de renseignement. Le responsable d'Able Danger reçoit dans le courant de l'an 2000 un dossier concernant une cellule d'islamistes de Brooklyn, avec à l'intérieur une photo. C'est celle de Mohamed Atta. On n'a pas apprécié l'information à sa juste mesure. On les a identifiés, lui et les autres, comme des membres actifs d'Al-Qaïda aux États-Unis. Ils correspondaient au profil de gens qui fréquentent certaines mosquées ici, et surtout au profil des individus qui étaient liés à la cellule de Brooklyn. La cellule de Brooklyn étant la cellule responsable de l'attentat à la bombe contre le World Trade Center en 1993. On voulait parler de ce groupe au FBI pour qu'il les surveille. On ne les ciblait pas individuellement, on s'intéressait uniquement au groupe. On nous a interdit d'enquêter sur eux individuellement parce qu'ils étaient rentrés dans le pays de manière légale. Et c'est là qu'on nous a dit d'arrêter. Et vous n'avez pas eu le droit d'en parler au FBI? Et nous n'avons pas eu le droit d'en parler au FBI. Al-Qaïda vient de frapper à nouveau. Non en Asie comme la CIA le prétendait, mais dans le golfe d'Aden, au large du Yémen. C'est un navire de guerre américain, le USS Cole, qui vient d'être touché par une attaque suicide. Un canot à moteur bourré d'explosifs. 17 marins meurent et 39 sont blessés. Pourtant, dès le début du mois d'octobre, les analystes d'Able Danger tentent d'alerter les autorités. Ils avaient bien repéré une suractivité des réseaux terroristes dans la région et était persuadé d'une attaque imminente. J'essayais de convaincre le FBI de prendre connaissance de ces renseignements, mais ils n'étaient pas très chauds non plus, parce qu'ils avaient eux aussi des consignes. Leur marge de manœuvre était très restreinte, donc pour eux aussi c'était très compliqué. Il y avait ce cloisonnement entre les agences, et les gens comme moi qui voulaient simplement faire leur boulot, n'y arrivait pas. C'était très frustrant. Si les forces de l'ordre avaient été averties, elles auraient certainement pu arrêter ces gens. L'enquête sur le call provoque de vives tensions entre agences gouvernementales. Les rivalités et incompréhensions mutuelles sont en train de miner la capacité d'action et de réaction des États-Unis. Le FBI envoie John O'Neill pour effectuer sa propre enquête sur place. Personnage fort en gueule, il entre rapidement en conflit avec l'ambassadrice des États-Unis, Barbara Bodin. Mais au-delà de la querelle de personnes, les priorités divergentes des différentes institutions sont au cœur du conflit. John O'Neill périra dans l'effondrement des tours du World Trade Center. Le FBI se pointe et déclare « 17 marins ont été tués, de nombreux autres ont été blessés, un vaisseau américain a été endommagé. Quelqu'un doit aller en tôle pour ça. »
Mais de son côté, la CIA dit « Très bien, super, on va trouver ces types, on va les coincer. Mais on a des opérations de renseignement en cours pour démanteler tout le réseau. Alors il vaut mieux attendre un peu avant de coffrer tel ou tel type. On va voir jusqu'où il peut nous faire remonter. Et dans l'intervalle, on va continuer à faire ami-ami avec tel ou tel salopard ou avec tel ou tel gouvernement. Ça ne nous enchante pas, mais c'est une vision stratégique à long terme. Et en plus, il y a les affaires étrangères qui, eux, ont une vision sur 50 ans. En tant qu'agent du FBI, je me contrefiche de cette vision sur 50 ans. Ce que je veux, c'est coincer les salauds qui ont assassiné ces marins. Je m'en moque de la politique et des politiciens. Et ça, ça crée un conflit. Et là, John arrive et déclare, « Ces types doivent aller en tôle et je veux que mes hommes soient protégés. » Il est là, le conflit. Au sommet de l'État, le responsable du contre-terrorisme, Richard Clark, a bien conscience que la course contre la montre est engagée. Il tente de convaincre le président Clinton de lui accorder de nouveaux moyens pour traquer la tête du réseau, Ben Laden. On a eu l'accord du président pour mener une expérience. En septembre et en octobre 2000, on a fait des survols de l'Afghanistan avec le drone Predator. Et on a réussi à localiser Ben Laden. On l'a observé en direct. Nous, on était en Virginie devant nos écrans de télévision et on savait exactement ce qu'il faisait dans son camp en Afghanistan. Les images étaient filmées par le drone et relayées par satellite jusqu'en Virginie. On voyait Ben Laden en direct, mais il faut savoir qu'à l'époque, le Predator était uniquement un drone de reconnaissance. Il n'avait jamais transporté d'armes et il n'était pas construit pour cela. Mais on avait prouvé qu'on pouvait localiser Ben Laden et savoir en temps réel où il se trouvait. Good evening. Mais l'arrivée au pouvoir de George Bush va faire prendre un retard considérable à la lutte contre Al-Qaïda. La polémique sur le recomptage des voix a perturbé encore un peu plus le passage de témoins indispensables pour la continuité de l'État. Qu'est-ce qui les intéressait ? La guerre des étoiles. Le projet de défense de Ronald Reagan contre les missiles balistiques. Ce qu'il y avait tout en haut de leur liste de préoccupations, leur principal sujet de conversation, c'était les négociations avec Moscou sur la défense stratégique. Mais les temps avaient changé. Il n'était pas nécessaire, encore moins prioritaire, de s'occuper de missiles stratégiques. Il n'y avait aucun risque de guerre avec l'Union soviétique, avec la Russie. Personne n'allait balancer de missiles balistiques, ce n'était pas l'urgence, et pourtant, c'était leur priorité numéro un. Et ensuite, il y avait la Chine et l'Irak, c'est-à-dire ce sur quoi ils travaillaient 8 ans plus tôt. Ils savaient que le monde avait changé, mais cela n'avait pas changé leur ordre du jour. Au cours de l'été 2001, les services de renseignement américains, mais aussi européens, s'inquiètent de rumeurs de menaces concordantes. Il y avait des rumeurs dans la communauté djihadiste que quelque chose d'énorme se préparait. Mais c'était juste des rumeurs. Impossible de savoir quoi, où, quand et qui. Beaucoup d'indices se recoupaient et de sources très diverses. Les informateurs, on les écoute, la surveillance électronique, indiquaient que les membres du réseau Al-Qaïda pensaient qu'un attentat important était sur le point de se produire contre des intérêts américains. Certains membres de l'administration américaine ont compris exactement ce que ça voulait dire. Ce n'était pas une menace en l'air. Il avait fait sauter les ambassades. Il avait attaqué le Call, le World Trade Center en 93 et tout le reste. Et nous fournissions de nouvelles informations en permanence. Ses intentions étaient claires. Ben Laden a dit qu'il allait nous attaquer avec une férocité toujours plus grande si on ne faisait pas ce qu'il voulait. On essayait, avec les informations dont on disposait, d'en apprendre le plus possible, le plus vite possible. Toutes ces rumeurs,
Tout ce bavardage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi précisément, j'en sais rien. Mais ça va être très gros. Alarmé par ces rumeurs insistantes, Richard Clark juge qu'il est temps d'en avertir le nouveau président. Mais les jours passent et Clark ne parvient pas à obtenir le précieux rendez-vous. Un jour, le président réagit et il a dit « Je reçois tous ces rapports disant qu'il va y avoir un attentat ici, un attentat là. J'en ai assez de tous ces rapports. J'ai l'impression de chasser les mouches. Je veux un plan d'action. » Le message a été transmis à Condoleezza Rice, la conseillère à la sécurité nationale. Elle m'en a fait part et j'ai répondu « Je vous ai donné un plan d'action. Je vous en ai donné un en janvier. Je vous ai donné une version mise à jour depuis et ça fait des semaines que j'attends que le plan soit approuvé. Le président veut un plan d'action parfait. Tout ce qu'on demande, c'est de lui en donner un. » Et sa réponse a été « Très bien, on va réunir une commission, on programmera quelque chose. » Après avoir parlé d'Irak, de la Chine et de la guerre des étoiles. Et enfin, une semaine avant le 11 septembre, une réunion de haut niveau a été organisée. Au cours de cette réunion, j'ai déclaré « Il faut armer le Predator et l'envoyer en Afghanistan pour attaquer Ben Laden et Al-Qaïda. » À ce stade, le drone était opérationnel. Ça faisait des mois qu'il était prêt. On était le 4 septembre. Et le directeur de la CIA, le plus haut gradé du Pentagone, Paul Wolfowitz, le secrétaire à la Défense, ils ont tous répondu, on ne veut pas armer le Predator. On ne veut pas faire voler le Predator en Afghanistan. On ne veut pas utiliser le Predator contre Al-Qaïda. Pourquoi ? La CIA a dit, ce n'est pas notre boulot de faire voler des avions qui tuent des gens. Le Pentagone a dit, ce n'est pas notre boulot de faire voler des avions sans pilote qui tuent des gens. Mais en réalité, ce qu'ils voulaient dire, c'était « ça pourrait déclencher une polémique. Si on se trompe de cible, il pourrait y avoir des dommages collatéraux. Ou bien, ça pourrait être très coûteux. On ne va pas perdre des subventions, tout ça, pour que Dick Clark puisse financer son joujou. En tout cas, quelle que soit la raison, ils ont refusé. » C'est le jour J. Le 11 septembre au matin, Mohamed Atta embarque à l'aéroport de Portland. Il se rend à Boston. Et de là embarque à 7h59 pour son dernier voyage à bord du vol American Airlines 11, celui qui heurtera la première tour du World Trade Center. En l'espace d'une heure, suivant un plan minutieusement réglé, les 19 pirates de l'air embarquent dans 4 avions différents en plusieurs points des États-Unis. Tout est désormais en place pour faire de ce jour celui de la plus spectaculaire série d'attentats de tous les temps. On savait qu'un volcan était sur le point d'exploser. Et il a explosé.
Très vite, le gouvernement américain publie la photo et les identités des 19 pirates de l'air. S'il a pu le faire si rapidement, c'est parce que la CIA connaissait, en tout cas pour certains d'entre eux, leur existence. Si vous me demandez de vous dire ce que je ressens à propos du 11 septembre, il y a une chose que je ne peux pas avaler. C'est l'histoire de Khalid al-Midar et Nawaf al-Azmi. Je n'arrive pas à concevoir un tel niveau de dysfonctionnement. Ces deux types étaient présents aux États-Unis depuis plus d'un an. Je ne voudrais pas être à la place de certains agents. Je vais mesurer mes paroles. J'ai la conviction que le FBI n'a pas été informé de la réunion en Malaisie, ni du fait que ces deux individus avaient des visas d'entrée aux États-Unis, parce que sinon, John O'Neill aurait pété un câble et aurait exigé d'avoir tous les détails sur cette opération. L'identité des types, leur demande de visa, ils les auraient mis sous surveillance et les auraient arrêtés. Il y a des gens qui me disent, et peut-être qu'ils ont raison, « Écoute, Mark, ces deux tours qui ont laissé un espace béant derrière moi auraient de toute façon fini par s'écrouler. » Parce que, pour ces terroristes, c'était le Saint Graal. Si on avait arrêté ces 19 types, ou les deux qui étaient là au départ, deux autres auraient utilisé une autre méthode. Ils étaient décidés à faire tomber ces satanés tours. C'était juste une question de temps. Peut-être que ce serait arrivé un autre jour, c'est tout. Et qui sait ce qui se serait passé, si on les avait suivis et appréhendés? On ne peut pas savoir. Et c'est ça qui est difficile. Aujourd'hui, vous regrettez de ne pas avoir désobéi aux ordres? Chaque jour de ma vie. Chaque jour de ma vie. Chaque jour de ma vie. Mais je ne peux rien y faire. Absolument rien. Vous voulez me condamner? Vous voulez vous en prendre à moi? M'attaquer sur ma vie privée? Allez-y. J'en ai plus rien à foutre. Je suis fatigué. Fatigué d'être jugé. Fatigué. J'en ai marre. Mais oui, je le regrette. Au départ, quand j'ai entendu parler de cela après le 11 septembre, j'étais scandalisé, j'étais fou de rage. Puis après l'enquête de la commission, j'en ai conclu que le rapport avait dû arriver à la CIA un dimanche. Ou peut-être que quelqu'un était en vacances. Je me suis dit que ça devait être la faute d'un sous-fifre. Mais je me trompais. Tous ceux qui étaient impliqués dans l'antiterrorisme à la CIA étaient au courant. À commencer par le directeur. Plus de 50 personnes étaient au courant. 50. Et ça faisait plus d'un an qu'ils étaient au courant. Et en un an, pas une fois, pas une seule fois, ils n'en ont parlé. Ni à moi, ni au directeur du FBI, ni au directeur adjoint du FBI chargé de l'antiterrorisme. Chacune de ces 50 personnes nous a caché ça pendant près d'un an. C'était une politique délibérée qui venait de très haut à la CIA de dissimuler cette information à moi et au FBI. Vous n'avez jamais demandé des explications au directeur de la CIA par la suite? Je n'ai jamais eu de réponse claire. C'est une question essentielle. C'est effectivement une question cruciale. To
Je pense à tous les habitants de ce pays, et surtout à tous les habitants de New York, à tous ceux qui sont morts ce jour-là, aux pompiers, aux policiers qui ont fait leur boulot sans jamais poser la moindre question. Je pense à tous ces pauvres gens qui ont vu leur vie passer devant leurs yeux et qui ont sauté des tours. Vous avez tous vu les images. Qu'est-ce que les survivants, qu'est-ce que les familles peuvent ressentir? Est-ce que quelqu'un parmi nous peut aujourd'hui les regarder en face et leur dire « on a fait tout ce qui pouvait être fait » Je pense que de nombreuses questions restent sans réponse. La route du 11 septembre s'arrête ici. Toutes les pièces disponibles du puzzle ont été mises en place. Certaines manquent encore à ce jour. La figure d'ensemble est tout de même visible. Elle est inquiétante.